Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor Aurore TPA, Ekka Flip Feu, Sacrieur R contre Eniripsa, Yop, Zobal, et pour l'instant, on n'a pas de cote. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Phalanster sur le Yop. Pas grand-chose de plus à signaler, ok, c'est assez rare de voir aussi peu d'effets en début de combat. On va y aller comme ça. Je vais caler ma prémo ici. Hop. Zobal qui a l'air d'avoir un mode assez intéressant. On va voir ça très vite. Je vois Dora tout le monde, je pense. Je vais lâcher le chaton un peu en retrait. Je vais rester là, je suis pas trop mal. Il n'y a pas de problème de zone ou autre. En vrai, j'ai pas spécialement besoin de rush parce qu'il n'a pas de gros placeur. Moi, j'ai un Xel, donc à la limite, je peux attendre que le combat se mette en place tranquillement. J'ai pas spécialement besoin de me précipiter là. On va juste essayer de faire une mise en place du combat assez propre. Tac. L'épée ici. La perfusion ici. Tac. Est-ce que j'expose plus le sacré? En vrai, je peux aller là. L'épée ici. Tac. Bon, les boubous, c'est classique. Il n'y a pas beaucoup d'esquives en face non plus. Je pense que je vais all-in le Zobal, hein. Ou alors le Yop. Le Yop qui est bien tanky là, mais pour le Yop il va de toute façon il va s'approcher donc. Je pense qu'on va y aller comme ça. Tac. Je vais aller ici. Elle est comme ça. Bon, l'Ekka il est un peu exposé mais tranquille. Il joue juste après. Et si le Yop me all-in, je peux toujours turn sur le Yop. C'est pas un souci. Ok, ça érode. Il fait pas grand chose de plus. Je pense que je vais maintenir l'idée d'y aller sur le Zobal. Il est un peu plus fragile. J'ai l'impression en tout cas. Il y a du malus de récré. Je vais y aller en full héros avec Zobaleni. Ça serait quand même bien mieux. Voilà, il est rodé au taquet. Pas de crit malheureusement. Je pense que je vais venir mettre un petit feulement. Ah oui, il y a les dégâts partagés avec le masque. C'est abusé. Il prend rien. Bon, tranquille. De toute façon, le masque, une fois qu'il est tombé, il est tombé. Et après, ça se gère. Je me disais bien, c'est bizarre, il a encore beaucoup de PV. Bah oui, en fait, il a rien pris. Bon, il y a le sacré qui va arriver mettre une sauce derrière. Évidemment, du retrait PA sur Lely, on connaît. Est-ce que je lâche un sacrifice sur l'Ekka? En vrai, il a pris l'héros, ça peut valoir le coup. Hein. Mode silence, ouais. Ça va, ça se gère, j'ai encore pas mal de PA. Il tape le cadran. D'accord.
Il est comme ça. Je sacrifice ici. Et on va full taper, je pense. Tac. Je vais rester là. J'aurais bien aimé que l'épée puisse le mettre un coup, mais c'est pas un souci. On va aller taper le Yopleni. En plus, on déloque éventuellement des ocres ivoires, ça pourra servir. Bon, il est quand même dans la sauce, son Zobal. Hein. 2200 PV. Furia. C'est du mode et cache. Ok, je me disais que le mode était un peu atypique. Ok, donc il y a de la Strigide. Et il y a des stats R qui font aussi tout ce qu'il faut. Ok, bon. On peut laisser le Sacri se faire un peu tabasser, c'est pas un problème. Je pense que je vais juste full all-in le Zobal, hein, moi. Tac. Est-ce que je lui mets une horloge? Non, je pense que je vais plutôt maximiser les dégâts, tout en mettant quand même du retrait, ce qui est pas dégueu. Je vais rester ici. Il prend encore du retrait, 6 PA. Bon, j'aurais bien aimé en mettre un peu plus sur le Yop, mais ça va, ils ont Ocre et Vulbis cassé les deux grâce à l'épée. Assez pratique pour ça, l'épée Vorace. Et c'est pas impossible que les cas puissent finir en soi, je suis encore bien boosté là, pour l'instant. Bon, le Yop qui prépare une zone, ça peut être très dangereux pour le Sacri, faut quand même que je sous-estime pas les dégâts que peut prendre le Sacri, mais... 6 PA. Ah, il prend des sacrés. Ah oui, elle a pris 6. Oh, il va me clear tout. Si je joue à l'épée céleste, je suis dans la sauce. Fracture. Ok, ça va. Bon, il a plus de balles, je pense. A voir où il finit. Est-ce qu'il va m'embêter un peu? Effectivement. En soi, je pense que je vais venir me détacler comme ça. Pris feu une fois. Tout ou rien, ça passe ou pas? Un crit, oui. Bah oui, forcément. Ok, tac. On y met une bonne étoile. Entre chat et un feulement. Tac, en zone. Le chaton qui joue derrière. Le sacré est safe. Ok, bah apparemment c'était le bon choix de line le Zobal. La grimace a quand même bien temporisé. J'avais encore des outils de tankiness, hein, j'aurais pu mettre le pacte. Ah, je prends cher quand même. Hein. Ça peut devenir dangereux cette affaire. Je vais y aller comme ça. C'est le Diop qui joue après, bon il a un retour de précis. En vrai je pense que je vais venir couronne d'épines. Bon déjà je vais me pacte. Je vais couronne d'épines ici. Je vais assaut. Est-ce que je me muti ou pas? En vrai ça va, je tank. Ça va, ça passe, tranquille. Ok, je vais y aller comme ça. Tac. Il vient là, on est d'accord. Je calme mon ébène. Tac. Et le contre en zone. Vous savez que c'était le tour le plus clean que j'ai fait de Xel depuis bien longtemps. Sans déconner. 4 PA. Il peut péter le cadran. Ça serait un peu relou. Ouais, je perds du boost. J'aurais pu m'arranger pour éloigner un peu le cadran quand même. Mais c'est fine. Est-ce que j'y vais sur Lenny ou pas? Oh, en vrai, Lenny, il peut tomber. Hein. Lenny, il prend des dégâts, Lenny. Hein. Des réels dégâts. Hein. Est-ce qu'ils vont faire durer? C'est un peu ça la question, mais... Bah, je vais juste y aller comme ça, au miaouche. Après, en soi, je peux prendre le soin, mais j'ai envie de mettre des coups de baguette. Hein. Vas-y, on a qu'une vie. Oh là là, les dégâts qui passent au taquet.
Je vais venir me caler là. Tac. Le chaton qui vient quand même sécuriser les choses. Et ça passe. C'est très bizarre leur système d'abandon et compagnie. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas du tout au point. Est-ce que je le tue pour 2 PA ou pas? Non, vas-y, je vais afflux. Ce sera plus simple. Tac, je l'aurais peut-être fini en vrai à la croque-au-bure, mais dans le doute. Putain, il vient d'où le sacré? Il vient pas de là. Du tout. Ok. Ok. Tac, tac, on va reposer le cadran. Petit ralentissement des FAMS. Bah écoutez, c'était plutôt expéditif tout ça. On est bien sorti. Tac, GG, bon jeu. Bon, ça fait du bien, un colis qui se passe sans souci. Et j'ai même pas d'avertissement à la fin comme quoi j'ai enfreint je sais pas quelle règle, donc c'est parfait. Bah écoutez, ouais, bon, petit colis très tranquille, j'espère qu'il vous aura quand même plu.